Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Prison Architect, le jeu où on construit notre prison sur mesure. Alors nous sommes donc sur l'épisode 32 de la saison 2. Et donc comme vous voyez, je suis en grand donc sur la vidéo. En fait, tout ça pour vous dire que, en fait, c'est pour faire une petite annonce. Je vais déménager donc très bientôt, donc c'est pour ça qu'il y aura peut-être moins de vidéos, tout ça. Je vais essayer d'en mettre régulièrement quand même. Mais bon, le déménagement, ça en prend quand même pas mal de temps. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, et maintenant on continue à jouer ensemble. Donc nous étions arrivés là. Oula, mon stylo. Donc j'étais en train de faire le quartier pour les jaunes. Alors tout de suite, comme d'habitude, je reprends en fait les derniers commentaires qui m'ont été donnés. Donc là c'était Sébastien. Il me parlait de ma chapelle. Comme quoi apparemment je me serais gouré un petit peu dans la déclaration de la salle. Alors a priori non, parce que enfin, avant de tourner la vidéo, bien sûr, j'ai été voir. Apparemment, là, je l'ai bien fait. Alors peut-être que tu penses par rapport à ça, par rapport au tapis de prière. Mais quand on regarde ici, salle, je fais chapelle. Quand je prends, en fait, tu vois, regarde, ça se met pas en vert ou en rouge. Donc ça veut dire que ma salle, elle est bien déclarée. Donc je me suis pas trompé. Alors, bah, pour moi, c'est bon, quoi. Voilà, donc ça, c'est fait. Et puis de toute façon, elle fonctionne. T'as vu, il y a le mec qui était là. Alors lui, par contre, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? D'électricité, sûrement. Je vais prendre l'électricité de. Attends, il y en a un là. Je vais faire ça, hop, voilà, comme ça. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, bah, j'ai reçu un autre message, mais ça c'était en message privé par contre. C'était Gwendoline qui me parlait de des cerveaux moteurs apparemment. Comme quoi, bah, ça marchait pas sur sa prison. Alors, attends, moi, j'en ai mis où, des cerveaux? Je sais plus. Bah, j'en ai même pas mis, en fait, dans cette prison, j'ai l'impression. Merde. Ah, si, tant. Si, j'en ai mis là, ouais. Je me souvenais plus. Donc, il y en a là. Donc, effectivement, ça prend deux cases sur deux cases. Donc, tu vois, ici, la porte, elle est... Enfin, je l'ai placée ici. En fait, la porte, quand elle est fermée, elle est ici. Oula, ici, je suis au max. Faut que je fasse attention. Donc, j'ai... Donc, la porte, elle prend deux cases. Le cerveau moteur, tu le mets sur... En fait, le cerveau moteur, il prend deux cases aussi. Donc, tu dois le mettre... Attends, je vais te montrer. Je vais prendre un objet, parce que là, on comprend pas ce que je veux dire. Donc, les portes, ouais, c'est là. Ensuite, c'est ici. Tu prends un cerveau. Donc, un cerveau, tu vois, ça prend deux cases. Et donc, pour que ça marche, il faut le mettre... Il faut qu'il y ait une des deux cases qui touche la porte. Donc, à la rigueur, pour cette porte ici, si je le mets comme ça ou comme... Non, attends. Si je le mets... comme ça, normalement ça doit marcher, même s'il n'est pas dans le bon sens, ni rien. Le jeu, il s'en fout. Après, bon, on essaie de le mettre dans le sens de l'ouverture de la porte, ça fait comme ça. Donc faut, là, ici, il faudrait le mettre de cette manière. Et ensuite, il faut donc les relier à ton système d'ouverture de porte avec les câbles. Alors par contre, il y avait un sens, je sais plus si c'est du cerveau vers la platine ou l'inverse. Mais bon, tu essayes, et puis faut il faut qu'il y ait un garde devant, quoi. Donc voilà, donc normalement, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Non, c'est parce que t'as peut-être trouvé un bug. Voilà. Ok, donc du coup, ici, on va reprendre. Je vais surveiller un petit peu l'électricité parce que je vois que... Attends, ici, ça prend là. Lui, il est à fond. Lui, il est à fond. Ah ouais, mais lui, il est là, ouais. Ouais, non, il n'y a pas de raison que ça marche pas bien. Ah ouais, en fait, il prend tout ça, tout ça, tout ça. D'accord. Ça va loin. Et ici, est-ce qu'on est bon au niveau électricité? Ma centrale est là. Ouais, lui, il y a encore de la marge. D'accord. Alors du coup, est-ce qu'on en est au niveau des prisonniers? Ah, j'ai un condamné à mort qui va arriver. Par contre, est-ce que les 20 et 9, je peux les recevoir? Je me souviens plus si je peux. 20 normaux, je peux pas les avoir. Et 9 maxi, je peux pas les avoir. Ok, donc j'avais oublié de les arrêter. Donc, on va faire les admissions. Et donc, je vais couper cela et cela. Et donc, du coup, j'ai un condamné à mort qui arrive à 8h du matin le lendemain. Donc, c'est bien. Et du coup, ce sera donc... ouais, après, à voir si je peux l'exécuter, parce que, de toute façon, j'en ai fait qu'un seul. Donc, là, toujours ça. Le nombre de libérations conditionnelles, il commence à baisser, parce que j'avais fait...
J'avais suivi les conseils de Zul et j'avais construit des salles supplémentaires. Et du coup, voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait refaire des cellules? Ou est-ce que... Ou est-ce que ça ira pas? On va peut-être essayer de faire des cellules de luxe. Vraiment les grosses cellules de luxe pour eux en fait, pour les max. Parce qu'ils ont déjà de la belle cellule là et bah, faudrait peut-être en remettre quelques-unes. Alors on va. Ah ouais, il faut tout d'abord que je fasse une porte pour qu'ils puissent passer. Objet. Encore une porte de personnel. On va la mettre ici par exemple. Et du coup, je vais faire des fondations. Les fondations, donc du coup, je vais les prendre là. Je vais faire ça comment? Je vais quand même laisser un peu de marge derrière. On va faire un truc dans le genre là. 5 800 dollars, ouais. Bon, on va jusqu'au bout, bien. On va faire ça. Une case en plus. Allez, on va faire ça comme ça. Voilà. Comme ça, ici, je vais faire de la cellule. Ah ouais, merde, je voulais pas mettre vue extérieure. Attends. Je me suis gouré, c'est pas ça que je voulais faire en fait. Donc j'annule. Je recommence. En fait, je voulais faire des cellules avec vue extérieure. Toutes les cellules qui puissent voir à l'extérieur. Comme ça, ce serait mieux. Alors du coup, il faudrait que je planifie alors la taille de mes cellules parce que du coup, ça va pas le faire. Donc, on va faire un truc comme ça. Ira jusque là, par exemple. On aura la cellule. Par contre, c'est où déjà? Merde, c'est où? Ici. Qualité de la cellule, si je pointe. Il faut que, pour que ce soit au maxi, il faut que ce soit 16 cases. Il faut que la cellule fasse 16 cases. Et là, j'atteins le maximum. Alors, par contre, 16 cases, ça va faire grand, hein. Ce que je vais faire. Donc, on fait 3 x 3, ça fait 9. 4 x 4, ça fait 16. Et j'ai dit combien? J'ai dit 16 cases? J'ai dit 16 cases. Donc ça ferait... Donc la cellule fasse ça au minimum. Tac. Ah ouais, avec un couloir peut-être. Donc là ça fait 16 cases. On aura du mur là. On aura re-16 cases là. Merde, j'ai une agression. Attends, je vais voir. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a de la baston là. Il est pas content lui. Qu'est-ce qu'il veut? Simpson là. Blessé, on sait pas ce qu'il a fait, c'est ça qui est chiant. Hein. Il va être pris en charge. Merde. Hop, ouais, bien sûr, je vais passer le temps au maximum, comme d'habitude. Ok, donc lui va être pris en charge. Donc nous, on retourne ici à nos occupations. Ah, à moins que je fasse. Ouais, attends, j'ai une idée. Objet, donc là, ce sera la taille de la cellule. Ici, du coup, on l'enlève. Ici du coup non même pas attends je vais faire ça la tuile va être ici et le couloir va être là là tac tac voilà, hop ici on aura le couloir ah ouais mais là du coup pour refaire une cellule dehors ici c'est un peu chaud. Avec donc l'ouverture là et là. Bon, je peux faire ça, moi. Pour que ce soit dehors. Ah, faut pas que je fasse des fondations partout, en fait, hein. Hop, ici, ce sera ça. Parce que eux, en fait, qui seront là, ils auront pas une vue à l'extérieur, donc ils auront que ça. Et lui, du coup... Ouais, faut que je fasse tout pareil, hein. On va devoir faire un truc dans le genre comme ça en fait. C'est bizarre hein du coup. On n'a pas l'habitude d'avoir des cellules comme ça. Ok donc ça j'enlève tout de suite parce que de toute façon ça va pas s'enlever. Hop. Voilà et puis du coup je vais essayer de faire la même chose. 4. Merde, je sais plus. 5. Hop. Voilà.
Il va sauvegarder. Ok, vas-y, sauvegarde, man. Voilà. Oh, hop. Ah putain, ça lag un peu là. Je sais pas combien je vais pouvoir en mettre. J'ai peut-être déjà ordonné le début de la construction. Comme ça, ça va avancer. Je me suis chié dessus là, non? Attends. Ouais. Merde, j'ai oublié de faire le truc. Donc là, il y a le trou. Ouais, là, je me suis chié dessus. Tac, tac. Hop, faire un. 3. Voilà, on va déjà faire ça. Alors, j'ai déjà commencé à faire les fondations. Donc, fondation, du coup, faut que tu me fasses tout ça. Tu vas me faire le couloir central. Et on va dessiner les blocs. Hop, les blocs là. Voilà. Du coup, il va vouloir que je fasse des entrées, mais bon. Il faudra que je mette des portes. Ah, des portes fictives. À moins que je commence à mettre déjà les portes là. On verra. On va déjà les laisser construire. En ce temps-là, moi, je continue à faire ici mes murs. Donc là, j'ai fait ça ici. 1, 2, 3, 4. Là. Donc là, ça travaille bien. Bam. Donc là, hop, 5. On a déjà fini? Ah ouais, c'est vrai que j'en ai beaucoup là. J'en ai une cinquantaine. C'est quoi, là, je suis en mode conception. Là, on voit pas bien ce qui se passe. Hop. C'est de la belle cellule ça. Voilà. Tac tac, ça c'est bon. Ici on ferme. Et du coup ici on va mettre bah ici on va finir. Hop. On va faire comme ça. Et ici ce sera donc il y aura la salle, hein, c'est tout. Donc ils vont devoir accéder par là. Ouais, ok. Bon, on fait ça. Alors, qu'est-ce que ça dit du coup? Il veut des entrées partout. Bon, faut que j'arrive à trouver l'endroit où je peux mettre mes portes. Alors, il veut que je mette une porte. On va en mettre une là. Ah bah c'est bon, ça valide tout. Donc une fois qu'il va me la poser, ce sera bon. Alors pour l'instant, là, on va continuer à faire nos fondations. Donc le couloir central, il continue jusque là. Hop. Ici. Et les cellules. Hop, et voilà. Je vais attendre qu'ils construisent. Ça, parce que je me demande s'ils vont pas me mettre un mur là comme des cons. Ah, à moins que je mette déjà une porte. Est-ce que c'est validé là-bas? Encore validé. Ah, ça se construit vite, hein. Tiens. Hop, et bon, du coup, allez, je vais le bâtir là quand même. Tac. Voilà. Comme ça, au niveau des fondations, ce sera fait. Ah, ça y est, les pièces, elles arrivent.
Lui, on va déjà le bloquer ouvert. Pour l'instant. Ah, mon condamné à mort va bientôt arriver. Du coup, je vais déjà mettre mon mur. Hop, et hop, j'ai fait. Alors, pourquoi ça avance pas ici? Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Ils veulent que je remette une porte, peut-être. On va leur mettre une porte, du coup. On va la mettre... on met une là. Non. Ils ont pas fini de mettre le béton. Ok. Ah, j'entends du taser sur la gauche. Sûrement ici que ça fait le bazar. Il y a un gros tas de bonhomme. Ah bah lui. Voilà. Lui il est bugué. Donc quand il est bugué, on fait quoi? On ralentit. Voilà. Il travaille. Oula. Ah bah voilà, ça y est. Et ces cons là, ils sont coincés. Ils sont coincés. Bon bah on va remettre un objet, hein. On va remettre une porte. Ah bah là ils sont pas coincés. C'est bon. Hop. Ah, j'ai mon condamné à mort qui est arrivé et j'en ai encore un qui arrive le lendemain. Excellent. Et on le voit ici, il arrive au bus. Alors, on va se mettre en mode intelligence informateur. On va voir qui il est. Il est où? Bagarreur. On voit pas bien, mais il est marqué bagarreur. Donc, voilà, à voir. Hein. Donc, il va être accueilli, voilà, et il va être placé. Ouais, on va peut-être essayer de voir un peu qui c'est. Viens ici. J'arrive pas à l'avoir. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Voilà. Christopher Maloney. Alors, une probabilité de clémence de 34% pour l'instant. Multiple crime, ouais, d'accord. Et bagarreur, ça on l'a dit. Et sanction, là, il y a bien compris. Hein. Voilà, donc pour l'instant, la clémence à 34%, il va faire appel, donc on va attendre qu'il fasse appel, on verra un petit peu ce qu'il en est, en espérant que bah, que je vais pouvoir l'exécuter. Hein. Non pas que je vais exécuter des gens, mais bon, c'est pour l'objectif de cette saison. Pendant ce temps-là, ici, ils m'ont fini ça. On va bloquer ouvert. Non, on va pas bloquer ouvert, on va mettre en normal. Ah, agression. Merde, c'est où? Y'a bagarre là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? De te battre? Besoin de famille. Bah peut-être qu'ils ont pas assez de temps libre ou quoi? Bah si, ils ont du temps libre là. Pourquoi il est pas content? Ou trop de travail, temps libre? Alors remettre du temps libre, hein. Voir bien un petit peu ce que ça fait. On commence à pas être content. Et quand ils sont pas contents, bah c'est pas bien. Alors le mur, ici on continue à mettre notre mur. Voilà. Et du coup on va commencer à meubler tout ça. Alors ce que je vais faire, je vais en faire sur une. Ensuite je vais faire un copier-coller sur les autres. En attendant, on va aussi prévoir au niveau de l'électricité. Alors, celui-là il était à plein déjà, je vais pas pouvoir le prendre. Lui c'est bon, on peut en prendre. Alors, je vais faire ça comme ça. Et ramener ça au bout. Là. Au niveau de la flotte. On a des gros toyaux déjà. Mais je sais pas où je vais mettre les chiottes encore, donc on va pas les mettre tout de suite, on verra bien. Ah ouais, et ça je voulais faire. Je vais mettre en déploiement zone ouverte. Voilà. Aussi ouvert. C'est bizarre comme pièce. Hein. Voilà. Alors on va meubler tout ça. Donc il nous faut
Un lit. Un lit, j'ai dit. Le lit, on va le mettre là. Le chiotte, on va le mettre. On va le mettre ici dans le coin. Ensuite, je sais plus ce qu'il fallait qu'on mette. Il y avait un bureau, on peut lui mettre un bureau. Avec une chaise devant. On va mettre ici. On va pouvoir lui mettre... Bon, je vais vérifier quand même. Bureau... Ah ouais, une douche. Oh putain, on peut lui mettre une douche. Ouais, bah la douche, non. Douche, télé, radio, étagère, chaise. D'accord. Bon, il n'y aura peut-être pas la douche, hein. Bon, ce sera luxe, mais ce sera pas le top luxe non plus. Alors, une étagère à livres, on va lui en mettre une ici. Bureau, chaise, ça j'ai mis. Ah ouais, la fenêtre. On va lui mettre une fenêtre. Une petite ou une grande fenêtre. Apparemment, c'est pareil, ça coûte le même prix. On va lui mettre une fenêtre. Ici. Pommeau de douche, on dit on mettait pas. La télé. Non, vas-y, j'ai dit la télé. La télé. La télé, on va lui mettre ici, au bout de son lit. Voilà. Et on va lui mettre la radio aussi. La radio qui est où? Elle est où la radio? Bien, allez. Tac. On va mettre en face. Voilà la radio. Et on va lui mettre une porte de cellule aussi, ça peut être efficace, hein, pour qu'il reste. Voilà. Voilà, bah, je pense qu'on est bon. On va attendre qu'il pose tout ça. Et comme ça, je vais pouvoir faire un copier-coller. En attendant, on va créer pour la cellule du bas, parce que la cellule du bas, elle sera différente. Donc c'est pareil, on va prendre le lit. On va faire la même chose mais en symétrique. Ça, le chiotte, on va le mettre donc ici. Le bureau. Voilà, la chaise. La télé devant le lit. La radio que j'ai oublié où est-ce qu'elle était. Et là, on va mettre en face. Tac, tac, tac. Ah ouais, une fenêtre. Donc la fenêtre, du coup, bah là, on va pas la mettre là parce qu'on peut pas. On va la mettre plutôt ici, au-dessus de la télé. Et ensuite, une porte de cellule, bien sûr. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Là, ça se passe nickel. Et du coup, comme on sait maintenant où va être les conduites d'eau. C'est où? C'est là? Merde. Là. Alors, la flotte. Gros Toyo, donc il arrive déjà là. Peut-être passer un petit Toyo. C'est ça, comme ça. Hop. Et donc, après, on va faire le copier-coller. Et puis, on va créer nos cellules. Voilà. Ça, du coup, ici, je vais pas oublier de prendre... Ah, il manque un bout, là. Donc ça, hop, voilà, tu me mets ça. Cette porte-là, tu vas me la démonter. On va mettre une porte de cellule et on mettra aussi un détecteur de métaux à l'entrée. Voilà. Et on va mettre aussi... Voilà, la porte-là, il n'y a peut-être pas besoin de pas la mettre. Voilà. Alors, donc là c'est posé. Alors, outil de duplication. Là c'est tout posé, nickel. Est-ce que je peux copier tout ça? Si je fais ça. Ouais, hop. Copie et je colle ici. Boum. Voilà.
Voilà. Comme ça, ça c'est bon. J'ai cru voir qu'il y avait des endroits où il n'y avait pas d'eau. Que j'ai pas mis de tuyaux, là ils peuvent passer, non? Bah si, pourquoi ils peuvent pas passer? Il y a moyen de passer. Ah, il y a un du... pourquoi il y a du mur là? Ah merde, j'ai mis du mur. Attends, stop. Gouré. Je me suis gouré, tu démolis celui-là, celui-là. Et du coup... toi tu l'annules. Voilà. Je me suis trompé. Ok, donc les gars, allez-y, démontez. Démonte ça. Voilà, là tu peux passer. Alors déploiement, on va remettre en vert. Non, en vert, j'ai dit, putain. Con, con. Voilà. Oh putain. Non, on est en mode ouvert, d'accord. Et ici, donc j'allais dire, on va mettre une porte de cellule comme ça. Voilà, donc là, normalement, ils vont pouvoir revenir pour construire, je pense. Au niveau du temps, on arrive à 26 minutes. Ok. Ça se construit bien. Ma porte, elle arrive. Je vais la bloquer ouverte tout de suite. Hop. Voilà. Déploiement. Ici, du coup, ah, faut, tant qu'il voit qu'il y a deux pièces. Mais ça va se faire. Alors, en attendant, on va déjà déclarer les salles. Puis mettre des gardiens aussi. Hein. Donc, déploiement. On va mettre un gardien patrouille ici. Voilà, donc là, ça s'est fait. Voilà. Il y a plein de lumière. Pourquoi il y a plein de lumière, là? Un peu mal foutu leur truc, hein. Attends, objet. Prends ça, démonter objet. Toi tu me le démontes, tu me le démontes. Voilà. Ok, ça c'est bon. Et du coup, je vais remettre de la lumière dans les pièces un peu. Du coup, il va faire nuit. Voilà. Tac, et on va déclarer les salles. Donc ça, c'est de la cellule. Faire comme ça. Voilà. Ce sont donc des cellules, et on va regarder tout de suite quelles notes elles obtiennent. Là, qualité 9, voilà, ils ont un 9. Ok. Et du coup, on va dire que c'est que pour les rouges. C'est où? Déploiement. Zone sécurisée. Voilà. Donc là, c'est que pour les rouges. Il manque encore des tuyaux, je vois. Il manque les tuyaux parce qu'ils les ont pas mis, simplement. Hop, on relie, on relie. Là, c'est bon. L'électricité, c'est bon aussi. Nickel. Ah, puis toi, t'es coincé. Attends, je vais te supprimer. Voilà. Du coup... ah ouais, puis je vais peut-être faire une patrouille de maître chien. Patrouille de chien. Donc je vais faire un trait comme ça. Hop.
le même ici, qui va sur le lit. Hop, qui va sur le chiot. Du coup, il y aura des trucs à sniffer, là. Hein. Voilà. Ah, merde, il faut relier là aussi. Voilà. Tac. Là, et puis du coup, ici, il faut tout relier ensemble. Comme ça, ça va le faire. Voilà. Bon, là, les trucs là, dans rien, on s'en fout. Voilà, donc du coup, je peux attribuer un chien là. On va le mettre au milieu. Hop, voilà. Et pourquoi pas une patrouille armée. J'en ai. J'en ai pas, ok. C'est pas grave, on va mettre une patrouille de gardiens également. Ça, ça va rentrer à l'intérieur. Voilà. Comme ça, ça va se faire. Ah bah voilà, bah du coup, on voit que les gars, ils y sont déjà. Donc, si on regarde ici, on voit que c'est les meilleurs détenus, les plus sympas qui y sont. Donc, ça fonctionne. Et là, ah, les étagères à livres. Ah, j'ai oublié les étagères à livres en bas. Ok, on va les mettre. Objet, donc, étagère à livres. Que j'ai oublié de mettre ici. Ça arrive, les gars, vous inquiétez pas. Et voilà. On va encore augmenter la note de 1. Donc ça, c'est fait, nickel. Et peut-être qu'on peut leur mettre un revêtement de sol aussi, hein. On leur met une cellule en quoi? Faire des cellules en parquet. On va faire 4 en parquet. On va leur faire des cellules... Bon, non, je vais tout faire en parquet. Si je fais ça... Ah bah c'est bon. Okay. Tac, et je veux pas ici. Voilà. Et ça fait... Oh là, l'épisode est dépassé depuis longtemps déjà. Donc les petits bonhommes vont finir et puis bah nous au prochain épisode on aura encore un condamné à mort. On verra bien un petit peu qui il est et on fera le point de bah, avec l'autre. Hein, on verra un petit peu ce qu'il en est. Alors je mets le jeu en pause. Alors je vous rappelle donc qu'il faut pas surtout hésiter à vous abonner. C'est pas très français ce que je dis mais c'est pas grave. Donc abonnez-vous, partagez les vidéos, cliquez sur les pouces bleus et surtout laissez-moi des commentaires comme ça on en reparle à chaque nouvel épisode et puis bah ça fait vivre un petit peu tout ça. Donc moi sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde !